Messieurs les chanoines, messieurs les amis, chers fidèles et bien sûr, cher Pierre. La Providence divine a voulu, par une délicatesse qui lui est propre, que vous célébriez votre première messe solennelle entouré de vos parents et amis en la fête du très saint nom de Marc. Je crois, chrétien, que pour nous tous ici présents, évoquer simplement le nom de Marie suscite dans nos cœurs et dans nos âmes un sentiment d'amour et de reconnaissance. Je ne pense pas me tromper en disant que chacun d'entre nous, dans notre plus ou moins longue vie de chrétien, nous avons déjà vu la Vierge Marie à l'œuvre pour nous secourir, pour nous réconforter, pour nous sauver. Tous, et vous, chers fidèles, si la parole vous était donnée ce matin, vous auriez tous une belle histoire à raconter. La chrétienté tout entière fête le nom de Marie en ce jour, par ordre du souverain pontife, le bienheureux pape Innocent XI, à cause, comme nous le lisons dans le bréviaire de ce jour, à l'office de Matine, de l'insigne victoire remportée à Vienne en Autriche sur le très cruel tyran des Turcs qui menaçait avec arrogance de réduire sous sa domination les peuples chrétiens. Là encore, après les Pentes, la Vierge très sainte sauva ses chers fils qui l'imploraient devant une menace terrifiante. Quant à vous, cher Pierre, vous pourriez aussi proclamer avec joie et reconnaissance tout ce que la Vierge Marie a fait pour vous depuis l'éclosion de votre vocation sacerdotale jusqu'à votre ordination. Elle vous a guidé et maternellement gardé. Et vous le savez, et votre reconnaissance filiale est grande. Aussi, vous lui avez déjà confié, dans un élan irrésistible, votre jeune sacerdoce. Comment voudriez-vous que je ne vous parle pas encore d'elle aujourd'hui, pour votre joie filiale et pour la mienne, pour l'édification aussi, je veux l'espérer, de toute cette assemblée où vous comptez tant d'amis. Je voudrais exposer trois pensées bien simples. Premièrement, ce que le prêtre doit à Marie. Deuxièmement, ce que le prêtre peut espérer de Marie. Et troisièmement, ce que le prêtre doit rendre à Marie. Je demande instamment à la Vierge Sainte, Mère de notre commun sacerdoce, qu'elle daigne bénir ses paroles paternelles. Ce que le prêtre doit à Marie, comme vous voyez clair sur cette question, cher Monsieur le Chanoine, du haut du promontoire élevé où vous situe votre sacerdoce, vous revoyez le point de départ, la réponse donnée au Seigneur en entrant au séminaire, les routes sinueuses, les haltes fleuries ménagées par la Providence et les différentes circonstances où vous avez senti sur vous, avec une netteté indiscutable, la main de Dieu. Mais votre foi vous rappellerait, s'il en était besoin, la place unique tenue par Marie dans l'économie de la rédemption et de votre sacerdoce. Et vous savez que vous lui devez trois choses qui contiennent tout le reste. Toutes les grâces que vous avez reçues, spécialement celles de votre sacerdoce et les fruits de votre sacerdoce. Toutes les grâces. C'est pourtant vrai et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Aucune des grâces méritées par Jésus ne vous parvient sans passer par Marie. On n'oublie pas que les enfants attachent une faveur spéciale à tout ce qui leur vient par les mains d'une mère.
Et Marie sait tellement ce qu'il nous faut qu'elle multipliera ses instances pour l'obtenir, et Jésus, le meilleur des fils, ne saura rien refuser à sa mère. Vous vous rappellerez, mes bien chers frères, que l'on compare très justement l'Église à un corps, dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres. L'Église est en effet le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Bernard, voulant nous montrer la place et le rôle de Marie, affirme d'elle qu'elle est le cou, c'est-à-dire comme l'organe de liaison entre la tête et les membres. Aucune des réactions de la tête sur les membres, comme des membres sur la tête, qui ne passent par le cou. Essayons de mesurer la portée de cette affirmation. Toutes les grâces, celles de votre baptême, de votre première communion, de votre confirmation, de votre ordination sacerdotale, toutes les grâces, celles d'avoir été éduquées dans une famille chrétienne, avec des parents chrétiens qu'il me plaît aujourd'hui de féliciter et de remercier, celles d'avoir été éduquées, formées dans un bon séminaire, voyez-vous, les mille et mille délicatesses de la grâce divine, les touches invisibles qui faisaient naître, grandir et renaître en vous l'ardeur des généreuses résolutions et tout fil ineffable dont est tissée la trame d'une âme chrétienne, tout cela vous est venu par Marie. Spécialement pour un prêtre, la grâce du sacerdoce. Quand on a eu l'insigne honneur de consacrer la majeure partie de sa vie sacerdotale à la formation des futurs prêtres, quand on s'est penché avec telle émotion sur ces âmes, choisies entre toutes, quand on a assisté année par année à l'enlumissement de leur être intime et à l'épanouissement progressif de leur divine vocation, quand surtout on a lu dans l'histoire de leur vie les marques indubitables de la lutte, parfois tragique, entre Dieu et Satan, et qu'on a assisté en spectateur angoissé aux phases dont le règne de Dieu dans une âme était l'enjeu, je vous assure, mes bien chers frères, qu'on ne considère pas l'aboutissement d'une vocation sacerdotale comme une histoire simple et sans incident. Cette vocation, elle est marquée mille fois par l'intervention de Marie. Elle aime tant les futurs prêtres en qui elle forme maternellement l'image de son propre fils, sans qu'ils s'en doutent parfois, mais avec les attentions les plus exquises. Tout prêtre sait fort bien, et il le saura tellement mieux à l'heure décisive, où il lira à livre ouvert dans le livre obscur de sa vie, qu'il doit en grande partie sa vocation à Marie, et c'est bien une des raisons qui lui dicte la plus filiale, la plus inaltérable des reconnaissances. Sur un tel sujet, on pourrait être intarissable, et en même temps qu'on ne peut presque rien dire, il est des sentiments intraduisibles, tout comme les plus grandes joies sont les plus inconnus de la foule. Mais du moins, il faut redire que le prêtre est redevable de la grâce de son sacerdoce, redevable à Marie. Les fruits de son sacerdoce. La grâce du sacerdoce, c'est déjà un bienfait incommensurable. Mais le prêtre, qui devient en un instant l'instrument des merveilles surnaturelles, applique aux âmes les mérites de la rédemption. Or, Marie a pris une part réelle à la rédemption. Elle a uni généreusement les souffrances invisibles de son cœur transpercé aux souffrances de son divin Fils. Avec lui, elle s'est offerte en holocauste au Père des cieux, en expiation du péché. Et donc, quand le prêtre
applique aux âmes les mérites infinis de la rédemption. Quand par le baptême, il lave les âmes des petits-enfants, des souillures de la faute originelle. Quand par la vertu admirable du sacrement de pénitence, il redonne aux âmes pécheresses une nouvelle virginité en les faisant bénéficier des mérites de la rédemption, le prêtre n'oublie pas l'association qui lie le Fils et la Mère, et qu'il est à la fois redevable des fruits de son sacerdoce au Fils et à la Mère. Chaque jour, il méditera ces mystères si consolants, si exaltants pour sa foi et son amour filial. Chaque jour, il sentira son pauvre cœur d'homme s'ouvrir un peu plus au flot débordant de la reconnaissance pour la Mère admirable, à qui il doit toutes les grâces, spécialement la grâce de son sacerdoce et les fruits de son sacerdoce. Ce que le prêtre peut espérer de Marie, et la merveille de cette histoire vraie est que vous n'en êtes, mon cher Pierre, encore qu'au début. La page que nous venons de tourner appartient déjà au passé. Ouvrons sans peine les yeux sur l'avenir, sur ce demain qui vous attend et où vous allez rayonner le Christ. Et voyons ce que le prêtre, le jeune prêtre que vous êtes, peut espérer de Marie. À vrai dire, on pourrait répondre d'un seul mot, de même qu'il a tout reçu par les mains de Marie, de même aussi tout ce qu'il dira, tout ce qu'il fera, il le fera sous la même influence maternelle. En un mot, il peut espérer de Marie des secours tout particuliers pour son ministère, une protection spéciale pour lui et des exemples pour toutes ses fonctions. Des secours particuliers pour son ministère, d'abord. Oui, le prêtre, dans l'exercice quotidien de son ministère, se heurte à d'innombrables difficultés, vous le savez, en ces temps si tristes, mes bien chers frères. Et surtout, il a devant lui des libertés humaines qu'il n'a ni le pouvoir, ni le droit de briser. Et pourtant, il sait qu'il faut que le bien passe et que le règne de Dieu s'étende dans les âmes. Dans ces âmes enténébrées ou souillées, doit fleurir la lumière de Dieu et sa charité. Qu'il s'agisse d'ouvrir les âmes des petits-enfants à la lumière divine et de leur inculquer les vérités qui formeront bientôt les assises spirituelles de leur existence, qu'il s'agisse de toucher les âmes dans le ministère de la pénitence, ou dans la lourde responsabilité de la parole divine, qu'il s'agisse enfin de préparer des chrétiens au soir ou même au printemps de leur vie, au grand passage qui ouvre sur l'éternité, toujours le prêtre sentira le besoin d'appuyer sa faiblesse, dont les années lui apportent une conscience accrue, sur Marie, son perpétuel secours, son perpétuel recours. Comment à Noémie ne pas citer Sainte Jeanne d'Arc, qui avant de combattre allait, comme elle disait, consulter son conseil. Nous, prêtres de Jésus-Christ, nous allons prendre conseil dans le cœur même de notre Mère Céleste. Des secours particuliers à son ministère. Oui, certes, le prêtre peut en espérer de Marie, mais le Fils aimant qu'il est doit attendre d'elle une protection toute spéciale. Ce que le prêtre ne doit jamais perdre de vue, c'est qu'il est avant tout l'homme de Dieu, son représentant visible, et qu'en conséquence, il est dans l'obligation primordiale, s'il veut rendre à Dieu l'hommage auquel il a droit, et travailler efficacement à l'extension de son règne, de se sanctifier lui-même d'abord chaque jour. Comment pourra-t-il loyalement parler aux autres de générosité, de sacrifice, de vie intérieure, si sa propre vie intérieure est déficiente, si sa générosité est inconstante et
60. Mais alors, qui maintiendra en lui l'élan nécessaire? Qui lui insufflera les résolutions énergiques? Qui le couvrira sans cesse de son manteau maternel pour le protéger, pour qu'il reste fidèle, pour qu'il soit authentiquement prêtre? Sinon, Marie. Car n'ayons garde de l'oublier. Non seulement Marie le protégera en le comblant de grâce, dont elle sera la distributrice, mais encore elle le préservera efficacement. Car en écartant de lui les embûches, en l'aidant à découvrir les pièges où pourrait s'altérer sa vertu, en le mettant sans cesse en garde contre les êtres dangereux, et ils sont nombreux aujourd'hui à s'être donnés aux démons, contre les idées fausses, et elle règne partout avec le politiquement correct, et contre les compromissions de toutes sortes, au nom d'une charité qui n'est que philanthropie, contre les attraits du monde. C'est elle, toujours elle, que nous rencontrerons à chaque page du livre de la vie d'un prêtre, surtout, voyez-vous, aux heures graves, angoissantes et troublées. Et pour donner un sens plus entraînant à sa protection, elle restera devant les yeux du prêtre comme le modèle idéal à imiter, comme le type incomparable de la perfection à laquelle il doit aspirer, ainsi qu'on le lui rappelle dans la prière du matin, s'il veut être obéissant, zélé, patient, charitable, pour travailler en lui à l'imitation de Jésus, il regardera Marie. Il s'inspirera des exemples de sa vie cachée et douloureuse. En un mot, il aura à cœur d'imiter sa mère et de s'efforcer, malgré son indignité, de faire un peu comme elle. Étant appelé par ses fonctions à donner Jésus aux âmes, il se demandera comment faisait, comment ferait Marie. Et dans cette pensée, le prêtre trouvera la lumière, la force et sa ligne de conduite. Ce que le prêtre doit rendre à Marie. Quelle dette immense le prêtre a contractée envers Marie. À qui il doit tant. Quel espoir illimité lui permettent l'assistance et la protection maternelle de celle qu'on n'invoque jamais en vain. Mais vous comprenez bien, mes très chers frères, que cette dette et cette protection incessante entraîne certaines conséquences. Il nous en reste à voir ce que le prêtre doit rendre à Marie. Il lui rendra d'essayer d'être un saint Jean dans sa propre personne, des enfants par la conversion des pécheurs, et des dévots il lui rendra en propageant son culte. Un saint Jean, qu'est-ce à dire sinon un être spécialement aimé et dévoué, heureux et fier de la confiance de Jésus qui lui a donné sa mère à l'heure du suprême sacrifice. Un fils qui accueille sa mère chez lui, qui mène désormais sa vie à la sienne, qui ne fait rien sans elle, qui partage avec elle ses soucis. Un prêtre qui célèbre en union avec elle et sous son regard le sacrifice auguste du corps et du sang de Jésus. Et vous serez, cher Pierre, ce fils, ce prêtre. Saint Jean, c'est l'apôtre à la délicatesse exquise, qui avait reposé sa tête sur le cœur du Maître et dont la chasteté avait mérité et obtenu une plus grande intimité. Intime de Jésus, comment ne serait-il pas devenu tout naturellement intime de Marie, puisque le Fils et la Mère sont inséparables dans leur affection? C'est en développant en lui des relations de délicatesse filiale, c'est aussi en tâchant de conformer l'image de sa vie à celle de Jésus que le prêtre se fera reconnaître par Marie comme un autre saint Jean, en que ce lien l'attachera plus étroitement que jamais le Fils à la Mère et la Mère au Fils. Mais Marie est mère de miséricorde. Vous le savez par votre expérience personnelle, bientôt la conduite des âmes vous l'apprendra encore mieux.
et vous prierez d'autant plus pour les pauvres pécheurs que vous connaîtrez mieux leur misère. Plus vous irez, plus vous sentirez grandir en vous la passion apostolique et le désir jamais rassasié de rendre à Marie des enfants par la conversion des pécheurs. C'est là, voyez-vous, l'œuvre enthousiasmante et la merveille de votre vie de prêtre. Pauvre et infirme créature, nous devenons par un don absolument gratuit les collaborateurs directs de Dieu dans l'œuvre de la rédemption. Et malgré nos péchés, dont la honte s'appesantit sur nous dans la mesure même où notre âme se purifie et se rapproche du divin modèle, nous travaillons au rachat des âmes, à la conversion des pécheurs. Et Marie les aime tant, les pauvres pécheurs. Chaque fois que vous aiderez une âme à remporter une victoire décisive sur le démon, vous trouverez là les plus grandes joies de votre vie, celles que le monde ne comprend pas et ne soupçonne même pas. Vous rendrez un chrétien à son Dieu et un fils à sa mère Marie. Votre ministère auprès du peuple chrétien ne s'arrête pas là. De plus en plus, comme un fils très aimant, vous sentirez que vous ne pouvez pas ne pas parler d'elle, parce que vous aurez l'ambition de la faire mieux connaître et mieux aimer. Vous lui donnerez de vrais dévots en propageant son culte. Aux enfants, vous apprendrez à dire son nom, Marie, et à chanter ses louanges. Aux jeunes gens, vous enseignerez à la prier régulièrement, quotidiennement, et à se confier en elle. Aux mères de famille, vous la proposerez comme le modèle des mères. Aux mourants, vous chanterez sa miséricorde et son pouvoir d'intercession auprès de son Fils en cette heure difficile pour les hommes. D'ailleurs, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Vous ne pourrez donc pas séparer Marie de Jésus, et je suis assuré que vous n'y consentirez jamais. S'il en est ainsi, votre sacerdoce sera béni et très fécond. Sans doute, il vous faudra accompagner Marie partout, jusqu'au pied de la croix. Et là encore, votre rôle vous rappellera celui de Saint Jean. Vous souffrirez des souffrances de votre mère. Vous sentirez parfois votre cœur déchiré par les blessures et transpercé par les coups de lance des hommes, et il ne manque pas aujourd'hui. Mais vous trouverez dans ces souffrances même, sachez-le bien et ne l'oubliez jamais, le secret de votre ascension personnelle et la source ensanglantée mais féconde qui rachètera les âmes avec vos travaux, vos sueurs, vos larmes peut-être, unis aux larmes de Jésus et de Marie. Le prêtre, tout prêtre doit tant à Marie. Le prêtre, tout prêtre peut tant espérer de Marie. Le prêtre doit tant rendre à Marie. Ceux qui vous connaissent, cher monsieur Chanoine, sont en droit d'espérer que vous emploierez toutes les ressources de votre jeune ardeur à réaliser le portrait idéal du prêtre de Marie tel que modestement j'ai essayé de le retracer devant vous. Pour conclure, je vous invite tous à vous unir à moi dans la même prière du Père de Grand Maison. Vous, monsieur le chanoine, vous aurez plaisir à la réciter souvent. Et vous, chers fidèles, vous la direz pour votre prêtre. Alors permettez-moi de la déposer sur votre berceau sacerdotal. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n'oublie aucun lien, aucun bien et ne tient aucune rancune d'aucun mal. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable qu'aucune ingratitude ne ferme,
qu'aucune indifférence ne lasse un cœur tourmenté par la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si vous voulez bien vous lever pour la lecture du message pontifical. Je vous lis d'abord le décret de la Sacrée Pénitencerie Apostolique. Très Saint-Pierre, très Saint-Père, Pierre Dumas, prêtre de l'Institut du Christ au Roi souverain prêtre, qui le 2 juillet 2015 promu au presbytérat sacré par son éminence révérendissime le cardinal Léon Burke, à Florence, en l'église des Saint-Michel et Gaëtan, implorablement de votre sainteté l'indulgence plénière pour les fidèles qui, repoussant toute affection envers quelque péché que ce soit, s'étant eux-mêmes purifiés par la confession sacramentelle et rassasiés de la très sainte Eucharistie, répandant pieusement des prières à l'attention de votre sainteté, seront présents attentivement et religieusement à la première messe solennelle du requérant le 12 septembre 2015 dans la basilique du Bois Chenu à Domrémy, au diocèse de Saint-Denis. La pénitencerie apostolique, par mandat du souverain pontife, agrée volontiers les prières présentées. Ainsi, les fidèles seront toujours plus stimulés à traduire en actes dans leur vie les vertus surnaturelles, surtout de foi, d'espérance et de charité, et renforceront leur communion avec le souverain pontife, fondement visible de l'unité de toute l'Église catholique. Nonobstant toute chose contraire, Rome, le 15 juillet 2015, cardinal Mauro Piacenza, pénitencier majeur. Et maintenant, lecture de la bénédiction papale. Sa Sainteté le Pape François accorde de grand cœur la bénédiction apostolique à M. le chanoine Pierre Dumas à l'occasion de son ordination sacerdotale et de sa première messe, basilique du Bois Chenu à Domrémy, 12 septembre 2015, et évoque l'abondance des grâces divines et la protection de la Sainte Vierge Marie de la Cité du Vatican.